Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Michael Bossin, alors qu'est-ce qu'il a manqué à être ce soir? Un peu de lucidité dans les derniers instants. On a les ballons pour revenir au score, mais malheureusement on bute sur leur gardien, qui est un jeune gardien en plus, qui est plein de promesses. Mais on a senti que Montpellier avait de grosses individualités, mais ce soir il manquait un peu de rotation. Donc comme nous on avait un banc conséquent, on aurait peut-être pu venir chercher quelque chose finalement. Ouais, parce que vous n'étiez jamais à 5 buts en fait, hein. Non, c'est quand on s'est pas affolé, quand on était loin derrière, on a réussi à revenir petit à petit au score, mais à chaque fois qu'on revenait un peu trop près, on ratait des choses où ils nous mettaient un but à sa fin, donc ça a été difficile pour la fin. Il y a un pronostic en ce moment sur le Parisien qui dit que Lucas Grabatic rejoindrait son équipe. J'en sais pas plus, j'ai entendu des bruits courir comme ça. Ça me paraît un peu louche parce qu'on a quand même déjà bien fourni à ce poste-là, mais pourquoi pas, ça reste un joueur de talent et s'il vient au club, ce sera certes difficile pour la vie du groupe, mais ça peut que faire du bien au niveau de l'équipe. Tout à fait. Merci. Merci. C'est Marie Thorander, la radio de la Côte.